Parce qu'il t'a pas vu partir sur le côté? Si, il m'a vu, mais il a été m'empêcher de poser ma base, quoi. Parce que là, c'est pareil, là, j'y vais, il est parti direct pour défendre, quoi. Ouais, mais là, faut plus repasser là! Malheureux! Ah, puis il est reparti full bataillon aussi, et ça, effectivement, ça va faire. Pourtant, bonne prise de fight, putain! Dommage, hein, ta prise de fight, elle était correcte. Hein. Mais j'ai. Ah ouais, mais après, il y avait trop de bataillon lions, mais bon, après, je. Est-ce que tu fais vraiment du vrai surround, entre guillemets, vrai surround, je veux dire, plutôt que du hack-click? Parce que là, si t'avais cliqué derrière et fait A après. Si, c'est ce que j'ai fait, mais le problème, c'est que le temps que j'arrive derrière, t'as les. Là, ici, là, t'as les. À l'arrière, en fait, t'as les 4 bataillon lions. Et un truc de fou, quoi. Et en fait, je peux pas les surround avec les bataillon lions. Là où il y a l'endroit où il y a les battles et lions, je peux pas mettre deux airling en fait. Parce que quand tu regardes, attends, regarde. Attends, merde. Attends. Juste un peu. Là peut-être, je sais pas. Merde, c'est trop tard. Putain, mais tu peux pas être précis pour. Je crois que c'est à peu près là. C'est pas encore au top du top leur truc, hein. Ils ont encore un peu de boulot, je trouve. Ouais, enfin tu peux quand même avancer maintenant, même si bon, c'est pas. Alors. Attends, déjà je vais réduire la vitesse. Là, tu vois, tout ce qui avance là-bas. Ouais, c'est directement. C'était pour surrendre, mais ils se sont fait. C'est juste pas viable, quoi. Dès qu'il y a du battle à Lyon, tu peux pas faire des airling. Donc le mec il sort quelques battle à Lyon, tu pars sur Roach. Après le mec il fait du tort. Alors du coup tu repasses sur Zergling, mais il ressort du battle à Lyon. Ouais, mais chaud, après on dit souvent aussi que normalement le contre du. Enfin on le dit en tout cas, mais c'est le contre de la méca globale, c'est le Roach. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais si je fais du Roach. Moi ouais, bah après pour moi les. Roach contre Thor, enfin ouais, faut de l'Hydra, faut de. On aurait peut-être dû partir Roach Hydra, ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, vraiment, il faut. Comment dire. Il faut que la prod. Il faut que tu t'arrives à détecter, puis que t'arrives à pusher. Quand il y a ces mechas comme ça, moi je te le dis en tant que Terran, quand c'est méca comme ça, que tu le sens arriver, il y a un moment où il est très faible. Ça va être, je veux dire, enfin, justement, c'est pour ça que moi j'essayais de faire un push avec un petit peu Marine et un petit peu de Battle Elion quand c'était encore pas encore nerfé. C'est entre 8, je dirais 12 minutes, entre 8 et 12 minutes. À ce moment-là, ton trade, si tu fais du trade d'armée, il va être positif pour toi. Parce que la reprod de chez lui, elle sera trop lente. D'accord. C'est de la reprod de méca, qui est beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. D'accord. Surtout que, à part le Battle et Lyon, justement, si toi tu reprod du Roach, lui en face, pour avoir quelque chose de solide, il va devoir attendre de, vraiment longtemps. Ouais, longtemps. Ouais. Le torque, ça sort pas comme ça. Hein. Ok. Belle game. Donc ouais, non mais bon, c'est vrai que ce game, moi à la fin j'étais un peu dépité parce que j'avais l'impression de pas avoir trop mal joué, tu vois. Et bah, je sais pas, le mec, c'est vrai qu'il était vachement réactif. Alors, pour moi il était bon, mais effectivement là moi il y a des trucs qui me perturbent quand même sur la partie. Après bon, je pense qu'il y a des trucs que j'ai mal fait aussi, donc après le reste, s'il a vraiment triché, tant pis pour lui, c'est nul et puis... Ouais, non mais c'est un peu moche quoi. C'est un peu moche. Bon allez, je lâche le cast.